En cette fin d'un XXe siècle imbibé de bruit, d'angoisse et de fureur, il existe encore un pays où le silence est si total que l'on peut entendre le sang couler dans ses veines. De tous côtés, l'œil parcourt l'horizon sans rencontrer d'obstacles. Au cœur de la Mauritanie, la solitude et le dénuement sont tels que parfois ils écrasent l'homme. Le plus souvent, ils le magnifient. Ici vivent les grands nomades, fiers comme le soleil, libres comme le vent, on les appelle « fils des nuages ». Pendant plusieurs semaines, une équipe de l'ORTF a eu la chance de partager leur vie. Bientôt peut-être, les nomades disparaîtront, prisonniers, eux aussi, des maisons de pierre, des mirages de l'argent et des servitudes du progrès. Par ce film, nous voulons leur rendre hommage, car mieux que beaucoup d'autres, ils savent encore accomplir avec dignité cet étrange parcours qui mène l'homme de la vie à la mort. Une caravane progresse dans le désert. Il faut trouver des pâturages pour les troupeaux et de l'eau pour les hommes. Ainsi, chaque année, les grands nomades parcourent plus de 3000 km pour survivre. La pluie est rare, 2 ou 3 jours par an, parfois moins. Mais là où elle tombe, en quelques heures, le sable se couvre d'une herbe éphémère. À des centaines de kilomètres, les chameaux sentent les nouveaux pâturages dont l'odeur est apportée par le vent. Alors, irrésistiblement, le troupeau se met en marche, suivi par les nomades, car le chameau est la condition même de leur existence. Ils mangent sa viande, ils boivent son lait, ils se couvrent de sa laine, et le produit de sa vente leur permet d'acheter les habits et les vivres indispensables. Quand les troupeaux sont décimés par la sécheresse, aujourd'hui encore, des enfants meurent. Brahim a 55 ans. Il est le chef d'une fraction guerrière ou la Drailan. Cette année a été particulièrement difficile. Les pâturages sont rares et de nombreux points d'eau sont asséchés. Alors, la tribu a éclaté en petits groupes qui peuvent assurer plus aisément leur subsistance. C'est à Brahim que revient le choix du campement provisoire. À proximité, il a trouvé de la scaf, herbe salée dont les chameaux sont friands. Éprouvés par de longues étapes, les femmes et les enfants n'auront que 2 ou 3 jours pour reprendre des forces, puis il faudra continuer la nomadisation, car il n'y a pas d'eau dans la région, et il serait dangereux d'épuiser les réserves contenues dans les outres et les tonneaux. Avec la précision que procure une longue expérience, chacun participe à l'installation. En tout premier lieu, il faut soulager les chameaux de leur fardeau. Les nomades ne s'encombrent jamais de bagages superflus. Les objets qu'ils possèdent sont identiques à ceux que possédaient leurs pères et les pères de leurs pères. Le délou, sorte de seau en peau de vache ou de chameau pour puiser l'eau, une corde en lanière de cuir tressé d'au minimum 80 mètres. À cette profondeur, les puits sont rarement secs et l'eau en est merveilleusement limpide. La gerba, outre en peau de chèvre, la kuntilla, petit sac de cuir qui contient les accessoires pour faire le thé, l'ilaouiche ou peau de mouton, on l'installe au creux de la selle pendant le déplacement et on l'étale sur le sol pour se reposer à la halte. Le fusil, inséparable compagnon des guerriers.
Le nomade porte un sarwal en guise de pantalon, un draa, sorte de tunique ample, et un aouli, long morceau d'étoffe que l'on s'enroule autour de la tête pour se protéger du soleil, du froid et du vent de sable. Cette étoffe est imprégnée d'une teinture végétale, le bleu de Guinée. Il est saillant de s'en frotter le visage pour acquérir cette teinte très caractéristique à laquelle les Maures doivent leur surnom d'homme bleu. Les femmes sont revêtues de la melafa. Elles transportent dans un vaste fourre-tout une marmite, une bouilloire, deux ou trois calebasses, quelques nattes et coussins, et le varou, qui est une large fourrure faite de plusieurs peaux assemblées. Sans oublier le petit coffret dans lequel elles gardent précieusement les colliers et bracelets, ainsi que les phares. Cinq fois par jour, Hamoud doit faire la prière. Comme tous les autres Mauritaniens, il est un fervent musulman. Avant chaque prière, il fait ses ablutions, le plus souvent avec du sable, car l'eau est rare. Toute sa vie est marquée par la religion, non pas subie, mais acceptée comme force vivifiante. À chaque moment de douleur ou de désespoir, à chaque moment de joie, il invoque Allah, Dieu Tout-Puissant, et Mohammed, son prophète. Chaque année, sans aucune réticence, il accepte la zekat, qui consiste à donner une partie de ses biens à plus pauvres que soi. Après avoir entravé les chameaux pour éviter qu'ils ne s'éloignent trop, on peut maintenant dresser les tentes. Elles sont faites de laine de mouton ou de chameau. Elles sont spacieuses, solides et parfaitement adaptées au climat. Quand d'aventure un nomade doit séjourner en ville, il refuse toujours de dormir sous un toit de pierre, de crainte qu'il ne s'écroule sur lui pendant son sommeil. Il a beaucoup plus confiance en sa maison de toile qu'il peut dresser au hasard des pistes. Il sent surtout de façon diffuse que les pierres sont un piège où le nomade peut abandonner sa vie errante et perdre par là même certaines qualités d'âme et de cœur. Pendant que leurs jeunes frères rassemblent le troupeau, Nefissa et Rahala complètent le travail des parents. Sur trois côtés de la tente, elles fixent des bandes de toile avec du sable et des épines. Boudiaï, lui aussi, est un guerrier. Mais comme il connaît très bien le Coran, par boutade affectueuse, on le surnomme le marabout. En effet, jusqu'en 1960, date de l'indépendance, la Mauritanie avait une structure féodale. La société était divisée en différentes castes. Les guerriers portaient le fusil et refusaient tout travail manuel. Les marabouts s'occupaient des problèmes religieux. Les tributaires devaient payer une redevance aux tribus guerrières. En bas de la hiérarchie sociale, on trouvait les forgerons qui travaillaient le bois, les métaux et le cuir, les haratines qui s'occupaient de quelques plantations, les griots qui parcouraient le pays en chantant les faits d'armes de leurs protecteurs, faisant ou défaisant les réputations selon les cadeaux qu'on leur offrait. Enfin, les esclaves. Il serait inexact de prétendre que cette classification a totalement disparu. Les tentes sont enfin dressées. Pour calmer la soif et la fatigue de ses compagnons, Brahim peut maintenant préparer le thé. Il a également donné l'ordre de tuer une chèvre. Pendant plusieurs jours, comme seule nourriture, le petit groupe n'a absorbé qu'un peu de lait de chamelle et quelques dattes. Il est indispensable de reprendre des forces. Seul un homme circoncis peut égorger une chèvre face à la Mecque. Il se recueille
offrant ce sacrifice à Dieu, à qui il demande pardon pour ses fautes et celles de ses parents décédés. Tout le sang répandu doit être obligatoirement lavé à l'eau, car il est considéré comme impur. De ses bagages, Mariem a sorti la marmite et le couscous. Aidée par Nefissa, elle met un point d'honneur à préparer un bon repas. La chèvre est immédiatement dépecée. La peau sera utilisée pour faire une guerba. Si on veut lui faire perdre ses poils, on frottera l'intérieur avec de la cendre et des excréments d'oiseaux, puis on la tannera avec certaines écorces. Suivant les besoins de la famille, la guerba aura telle ou telle utilisation. Elle peut servir par exemple pour la préparation du beurre ou du lait caillé. Pour le lait caillé, on verse dans l'outre un peu d'urine de chameau et on remplit de lait. L'urine fait office de ferment et permet d'obtenir un breuvage délicieux, le zrig, que l'on additionne d'eau et de sucre. Pour le beurre, il faut préparer spécialement l'intérieur de la guerba avec des dattes écrasées. Ce beurre liquide, légèrement rance et sucré, ravit les connaisseurs. Les nomades préparent toujours le méchoui dans le sable. On creuse un trou, on y met la chèvre ou le mouton entre deux couches de braise et de sable, et on recouvre le tout. La viande cuite de cette façon est agréablement juteuse, mais elle croque sous la dent. Pendant que femmes et enfants prennent un à-compte sur le repas, Brahim et Boudiaï évoquent de vieux souvenirs. Ils parlent avec nostalgie des derniers combats auxquels ils ont participé. قال لي العربي ايش قال؟ قلت له العربي قال الدهر شابا على الزلات مشتملا ان المشيب اذا زل يعتذر. Dehors, le vent s'est levé. Nefissa et Rahala ont transporté la marmite à l'intérieur de la tente. Elles surveillent attentivement les derniers moments de la cuisson. Mohamed est le plus jeune fils de Brahim. En vrai petit nomade, il sait utiliser tout ce qui lui tombe sous la main. Gonflé, un morceau d'intestin peut devenir le plus merveilleux jouet. Ah ouais.
chaque fois qu'il le peut, Brahim s'éloigne du campement avec son fils. Il existe entre eux une grande tendresse et comme une sorte de complicité virile. Pourtant, la tradition leur interdit d'extérioriser leurs sentiments. Slama ne peut pas embrasser son père. Même quand il sera plus âgé, il ne pourra pas fumer en sa présence. Il devra s'éloigner ou se cacher le visage si des sujets lestes sont abordés. Brahim est fier de son fils. Il sait qu'il a toutes les qualités pour devenir un vrai nomade, fort, lucide et courageux. Pendant de nombreuses semaines, le père et le fils ont dressé un chameau rétif. Ils l'ont habitué à supporter l'entrave, à marcher à la longe, à porter des fardeaux. Aujourd'hui, pour la première fois, Slama va essayer de le monter. Il écoute attentivement les derniers conseils de Brahim. Le jeune garçon est un peu anxieux, il sait que le chameau risque de le désarçonner. Ce n'est pas tant la chute qu'il redoute, mais le jugement de son père. Les avertissements de Brahim n'ont malheureusement pas évité la chute. Honteux, Slama entraîne le chameau derrière la dune. Loin du regard ironique de son père, il va refaire plusieurs tentatives et ne reviendra que lorsqu'il aura maté sa monture. Slama a appris à reconnaître les bons pâturages, à pister les animaux égarés. Il sait maintenant soigner les chameaux malades et ouvrir les abcès avec un couteau rougi au feu. En toute confiance, Brahim lui a donné la responsabilité du troupeau. Slama est fier de cette confiance. Son père lui a fait cadeau de 6 chameaux qu'il surveille avec un soin jaloux. Parfois, Brahim lui prête son fusil et il lui est arrivé, comme au vieux guerrier, de tuer 2 gazelles avec une seule balle. Brahim parle durement à son fils, mais parfois, rapidement esquissé, un geste affectueux le trahit. وقف ايوه ميرن قوم عامل هو كراني احنا نعطيك رؤوس الشمال عامل هو ها وش اللي انت طلع راني نعطيك رؤوس هذه ها. Toute la journée dans la chaleur, le petit Slama va garder le troupeau et courir pour rattraper les bêtes qui veulent s'éloigner. Il devra dominer sa soif, car dans sa gerba, il n'y a que quelques gorgées d'eau. Le soir, il lui faudra retrouver la piste du campement. Dans cette région où les repères sont pratiquement nuls, il est facile de se perdre.
Slama en sait quelque chose. Il y a quelques jours, il a failli mourir de soif. Une tempête de sable avait effacé les traces. Errant pendant 3 jours à la recherche du campement, le jeune garçon, complètement déshydraté, a dû se résoudre à éventrer un chameau pour boire le liquide contenu dans sa panse. Dans le silence du désert, le bruit du sucre que l'on casse s'entend à des kilomètres à la ronde. Un proverbe dit « Si tu as besoin de compagnie et qu'il n'y a pas trace d'homme jusqu'à l'horizon, fais baraquer ton chameau et prépare le thé. Tu auras toujours un compagnon pour partager ton verre. » L'après-midi se termine. Chacun goûte le calme et la détente. Allongé dans le sable, Elie et Boudiaï s'affrontent aux amets, sorte de jeu d'échecs, avec des bouts de bois et des crottes de chameau. Le premier verre de thé est prêt. Pour ne pas faire mentir le proverbe, Hamoud surgit au détour de la dune. Après les interminables salutations d'usage, Hamoud attend le thé qui calmera sa migraine et sa soif. Comme il dissimule mal son impatience et sa fatigue, Brahim prend un malin plaisir à le faire attendre. Hamoud peut enfin déguster son verre sous les colibés du petit groupe. Slama est revenu avec le troupeau. Les hommes traient les chamelles dont le lait est impatiemment attendu par les enfants. La fraîcheur est venue avec la nuit. Après la prière du soir, tous se sont groupés sous la tente pour partager le repas. Le petit Mohamed a une bronchite. En ce moment, les nuits sont froides et il n'a pas de vêtements. En effet, habituellement, il vit nu, suivant la coutume. Nous lui avons donné une chemisette pour qu'il se protège. Mariem a beaucoup plus confiance en ses propres soins. Tout à l'heure, elle lui frictionnera la poitrine avec du beurre et elle l'exposera dévêtu devant un grand feu. Elle lui a également diminué sa ration d'eau pour couper la fièvre. Comme dans toute la Mauritanie, les femmes mangent à part. Elles n'ont pas à se mêler aux discussions des hommes. D'ailleurs, si elles mangeaient dans la même calebasse qu'eux, elles risqueraient de leur toucher la main, ce qui est rigoureusement interdit.
شرهم ذاك هم وار مقام وار ركبتهم جاء هو الداج ودور السلم ذاك لكن جانو ما هو ما هو عين المسلم هي ما هو عين المسلم حركوا قال لا يمشون محمد كيلاني وغيدوا بطيار بعد انا بعد صدقني شوف والله الله زين هذا طيار زين شو معتول 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 من ايش شوف محمد يبقوا راجل بدارها بصابت كان فينا هنا نصراني لاحق شو من التمعلي في المسلمين وشو قالوا لريش ابراهيم يعرفوا دركوا باطل ما هو ياكل كان نتسا فطار كان فطار لريش يقول متوالي بيت المال وجا هو الدادي ورسيت هو من اعرابه من اعرابه زاد عريبات قالوا لنا احنا قالوا لنا احنا قالوا لنا احنا شعان باع عريبات من عريبه لا هنا لا هنك منا عريبه دم سوالف رايلك سكر سكر يا محمد رايلك جارح ما Après un dernier verre de thé, chacun se prépare au sommeil. Il faut profiter au maximum de cette nuit de repos, car demain, l'étape sera dure. La tempête s'est levée brutalement au lever du soleil. Brahim a pourtant maintenu sa décision. Il ne reste que 3 ou 4 jours d'eau et le prochain puits risque d'être ensablé. On se protège du mieux que l'on peut avec la houlie ou le voile, mais le sable réussit toujours à s'insinuer dans les yeux, le nez et la bouche. À moitié étouffé et aveuglé, chacun s'occupe pourtant d'une tâche précise. Le déménagement s'effectue avec une économie de gestes et une rapidité étonnante. Pour que le caméraman puisse tourner cette séquence, nous avons dû lui faire un véritable rempart de nos corps. Le vent l'aurait jeté à terre. Recroquevillés dans les palanquins, Mariem et Nefissa cachent les enfants sous leur mélafa. Fouettée par les trombes de sable, la caravane progresse difficilement. Les hommes, enturbannés comme des momies, tirent de toutes leurs forces les chameaux qui renâclent. Affolé par le vent, le troupeau quitte le sillage de la caravane. Malgré toute son énergie, Slama n'arrive plus à maîtriser les bêtes qui galopent dans tous sens. Par un vaste mouvement tournant, il essaie de leur couper la piste.
À l'avant, Brahim s'est rendu compte du danger. À toute allure, il se précipite pour aider son fils. Il est grand temps, car Slama est en difficulté. La courroie de sa selle a lâché et il perd de précieuses minutes pour la réparer. Du fils et du père ont fait merveille. Le troupeau, enfin calmé, rejoint la caravane. Vers novembre, les nomades se regroupent autour de leur puits habituel. Nous sommes ici au sud-est de la Mauritanie, dans le campement de Mohamed El Mokhtar, chef des Oulad Malik, d'origine maraboutique. Après de nombreux mois de séparation, tous sont heureux de se retrouver. Réunis sous la tente, les hommes se racontent les mille péripéties du voyage. Les femmes préfèrent déambuler pour mieux papoter loin des oreilles indiscrètes. Quant aux servantes, pour piler le mil, elle retrouve l'ombre approximative des épineux. Négib est forgeron. Il a acquis une flatteuse réputation. En un tournemain, il peut confectionner une selle solide et richement ornée, des cadenas aux fermetures complexes, des bijoux finement ciselés. En Mauritanie, le forgeron fait aussi office de dentiste et à l'occasion de chirurgien. La femme et les cousines de Négib sont cordonnières. Elles font les nattes et les coussins qu'elles peignent de couleurs vives. Elles remplissent également les fonctions de coiffeuse et de sage-femme. Nous avions quelques boîtes d'eau minérale que nous conservions pour une grande occasion. Le forgeron nous a supplié de les vider rapidement car il avait besoin de l'emballage d'aluminium. En quelques heures, sous nos yeux, ces boîtes se sont transformées en anneaux de cheville. Thank you.
Avec un outillage rudimentaire, mais une technique parfaite, Nejib modèle le petit bloc d'aluminium. Il le martèle avec amour, comme chaque pièce qu'il travaille. Puis il le cisèlera délicatement, pour la plus grande joie de la future propriétaire. Les anneaux de cheville en argent massif pèsent en effet plus de 2 kilos, et cette pièce en aura la beauté sans en avoir le poids. Ainsi que le prescrit la religion, un petit nomade doit être circoncis vers l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, c'est au tour du propre fils de Nejib. Le forgeron introduit la verge du garçonnet dans un morceau de cuir percé en son milieu. Il tire la peau au maximum. Il introduit maintenant un morceau de bois sur lequel il ligature la peau distendue. C'est au ras du morceau de cuir qu'il faudra trancher d'un coup sec. Nejib recouvre la plaie d'un emplâtre fait de feuilles séchées, de graines pilées et de crottins de chameau. Il verse ensuite du sable chaud sur le sexe de l'enfant, sur ses cuisses et ses reins. Le petit garçon va rester immobile pendant 3 heures. Alors, Nejib le sortira du sable et le laissera pendant 3 jours le sexe à l'air. Si la plaie n'est pas cicatrisée, on l'enduira de beurre mélangé à de la cendre chaude. Pendant toute cette période, l'enfant ne pourra faire qu'un repas par jour, des boulettes de mil avec du sel, du sucre et du lait caillé. Dans le campement des Oulad Malik, un endroit est réservé pour l'école coranique. Dès l'âge de 4 ou 5 ans, garçonnets et fillettes doivent apprendre le Coran par cœur. Sous la direction d'un docte vieillard, ils en annonnent les versets sur des planchettes de bois polies par le temps. Autrefois, Ahmed Salem était la terreur des enfants. Maintenant, émoussé par les ans, les coups qu'il porte ont peu de vigueur. Les torsions d'oreilles et les claques sont surtout symboliques. Et de son visage, qu'il voudrait redoutable, il ne peut chasser un sourire amusé et plein de tendresse. Ahmed Salem ne demande pas aux enfants de comprendre, mais de se souvenir. Plus tard, ils pourront réfléchir au sens profond des versets du Coran. Pourtant, ils savent déjà qu'il ne faut jamais tuer, voler, mentir, et que toujours un vrai nomade doit partager sa natte avec celui qui a sommeil, son thé avec celui qui a soif, et sa maigre nourriture avec l'homme qui a faim. Thank you.
Pendant les quelques mois de regroupement, le chef des Oulad Malik a obtenu que soit organisée une école nomade. Un moniteur est chargé de l'instruction laïque des enfants. Les élèves sont fiers d'étudier. Le matin, ils revêtent leurs plus beaux boubous et soignent tout particulièrement leur coiffure. C'est par cette touffe de cheveux qu'ils seraient emportés vers les cieux s'ils venaient à mourir. Ils ont deux anges gardiens, des malaïkas. L'un est chargé d'inscrire les bonnes actions sur leur omoplate droite, l'autre, les mauvaises, sur l'omoplate gauche. Ainsi, le jour du jugement dernier, il sera facile à Dieu de savoir de quel côté penche la balance. إلى هذا الرقم وانظروا إلى محمد يحيى تفضل لتكتب لنا هذا الرقم سكنوا ألواحكم فهم سكنوا ألواحكم الفو ارفعوا ألواحكم الفو بالتسكان سكنهم الفو اكتب لنا هنا Le moniteur est tout à fait convaincu des bienfaits de la méthode active. Après l'effort que requièrent les mathématiques, il détend ses élèves par la poésie et le chant. محمد يحيى والمحمد الحسن هنا عبد الرحمن العبيدي تفضل معه تحركوا تحركا جميلا موافقا للمعاني من S'il est nécessaire d'avoir une tête bien faite, il est non moins utile d'avoir un corps bien plein. Pour les nomades, en effet, une femme de qualité est femme de quantité. Khadijetou a 8 ans, et déjà elle doit subir le gavage. Pendant l'hivernage, il lui faut absorber quotidiennement plus de 10 litres de lait. La zayar est une pince avec laquelle on lui serre le pied jusqu'au sein. La douleur chasse les nausées de la fillette. Si elle refuse de boire, on lui enfoncera de force un entonnoir entre les dents. Pendant toute la séance de gavage, la mère de Khadijetou surveille attentivement la quantité de lait absorbé. Si l'on y prenait garde, l'estomac de la fillette pourrait éclater. À coups de bâton, les femmes font pénétrer le lait dans la chair de la petite fille. En même temps, elles l'amassent brutalement pour distendre sa peau et provoquer des vergetures
signe de beauté. Khadijetou domine sa souffrance. Elle sait que bientôt toutes les jeunes filles du campement envieront son ventre replé et que les hommes la regarderont du coin de l'œil en pensant « elle tire de grosses fesses ». C'est le plus beau compliment qu'un nomade puisse décerner à une femme. Avant de quitter le campement, nous avons eu l'occasion d'assister à un mariage. Installé sur des peaux de mouton, l'émissaire du prétendant et le père de la future mariée essaient de se mettre d'accord sur le montant de la dot. La jeune fille n'assiste pas à cette discussion. Qu'elle aime ou non l'homme qui la convoite n'a aucune importance, puisque son père seul peut décider. Pour obtenir le cœur d'Aïcha, il faut verser une somme d'environ 6000 francs en argent liquide, bijoux, coussins, moutons et chamelles. Officiellement, le gouvernement a fixé la dot à 100 francs pour une vierge et 50 francs pour une femme ayant déjà été mariée. Mais dans les campements, aucun homme n'ose proposer ce tarif. Il serait la risée de tous les nomades. Les parents d'ailleurs ne profitent pas de la dot. Ils doivent la partager entre les tributaires, les serviteurs et les griots qui animent la cérémonie. La formule rituelle a été prononcée. Louange à Dieu, le maître universel, qui a interdit l'adultère et permis le mariage. D'une même âme, il a fait naître le monde, et de cette même âme est née la première épouse. La fête va durer 7 jours. La première journée est consacrée à la toilette et à la coiffure. Aïcha s'est isolée avec les meilleurs spécialistes des tresses. Le kohl, passé autour de ses yeux, rend son regard plus profond. Ses pieds et ses mains sont imprégnés de henné. Réunis avec leurs amis devant la tente nuptiale, Marouf et Aïcha goûtent maintenant le spectacle que leur offrent les meilleurs griots de la région. Pendant ce spectacle, Marouf fait toute une série de pitreries. Il se déhanche comme un chameau, grogne comme un chacal, grimace comme un lapin. Il doit montrer à l'assistance qu'il est un homme véritable et que des sentiments même profonds n'altèrent pas son sang-froid et son sens de l'humour. Ah!
la jeune danseuse s'installe devant le tobol pour mimer les ablutions de la prière. Se termine. Les griots vont bientôt laisser les jeunes mariés se reposer seuls sous la tente. La première nuit, une jeune nomade accepte rarement que son mari lui fasse l'amour. En effet, une jeune fille de bonne tente doit faire semblant de mépriser les choses sexuelles. À l'aube, selon un plan rigoureusement établi, les femmes vont essayer de kidnapper la jeune mariée. Avec sa complicité, elle l'entraîne loin du campement pour la cacher. Parfois, pour créer la confusion, elle choisit une jeune fille de même corpulence qu'elle recouvre de la mélafa nuptiale. Pendant une journée, les recherches du mari demeuraient vaines, Aïcha reviendrait librement au campement, caractérisant ainsi la victoire des femmes. Et Marouf devrait faire de nouveaux cadeaux pour récupérer sa jeune épouse. Les hommes ont perdu le premier assaut. Ils se replient pour regrouper leurs forces et choisir une stratégie nouvelle. Dans certaines tribus, les combats sont extrêmement violents et se soldent quelquefois par des blessures et des fractures. Les hommes ont gagné la partie. Marouf essaie de raisonner Aïcha pour qu'elle l'accompagne calmement vers la tente. La séduction n'a pas été concluante. Il doit utiliser une méthode plus brutale. Aïcha tente une ultime résistance. À coups de griffes, elle lacère le visage de son mari, puis se laisse tomber à terre. Vaincue par la force et le courage du mal, la jeune proie, enfin matée, accompagne docilement son ravisseur.
elle s'insinue au plus profond des cœurs. Les paroles d'amour font naître gémissements et soupirs. Parfois, quelques larmes coulent sur les visages rudes. Cette nuit, les enfants du campement savent que le mariage peut se concrétiser. Ils voudraient surprendre les ébats des jeunes mariés. La curiosité que les enfants n'ont pu satisfaire sous la tente nuptiale peut ici se donner libre cours. Ces danses érotiques, pratiquées par les forgerons et les cordonnières, constituent une véritable initiation sexuelle. Bouche bée, les enfants suivent les différentes phases. Méprisant leur côté trivial, les nomades de bonne caste n'y assistent jamais. Les paroles de la chanson « Mama Lavik » sont extrêmement crues. Hommes et femmes critiquent mutuellement la forme et l'utilisation de leurs organes génitaux. Yeah.
L'enseignement de la danse érotique semble avoir porté ses fruits. Une femme est sur le point d'accoucher. Il s'agit en réalité d'une scène jouée par les deux meilleures matrones du campement. Comme nous n'avions pas eu la chance de filmer une véritable naissance, elles nous ont proposé ce mimodrame pour nous expliquer les techniques de l'accouchement. Le placenta, représenté ici par une sandalette, est enfoui dans le sable. La jeune nomade accouche à genoux, seule ou aidée par une sage-femme. Le cordon ombilical est tranché au couteau, au silex ou parfois avec un ongle que les vieilles laissent pousser à cet effet. Le bébé est lavé avec de l'eau. S'il n'y en a pas, on le laisse sécher à l'air, puis on l'enduit de beurre ou de lait de chamel. Si c'est un fils, on tire des coups de fusil et on pousse des youyou. Si c'est une fille, on dissimule sa déception. Pour protéger l'enfant contre les diables, au couteau, on lui fait 3 entailles à différents endroits du corps. Le bébé est posé sur le sol. Pendant 40 jours, un couteau sera planté près de sa tête. Pour éloigner les mauvais esprits qui pourraient changer le sang du nouveau-né ou lui voler son esprit, la mère s'enduit le visage de charbon de bois pilé. Pour baptiser le bébé, on trempe dans une calebasse de lait 9 morceaux de bois portant chacun un nom différent. Quand la mère aura choisi 3 fois le même bâtonnet, ce sera le nom de l'enfant. Sept jours après la naissance d'une petite fille, on lui coupe le clitoris. La tradition religieuse l'exige. On tire le clitoris avec un petit crochet et on le tranche d'un coup de lame. Pour éviter l'infection, on emplit le sexe de l'enfant de sel et de charbon pilé. Les puits sont à 10 km du campement des Ouled Malik.
Chaque jour, il faut organiser la corvée d'eau et faire boire les troupeaux. C'est le travail des serviteurs. Avec discipline, chacun attend son tour et souvent les animaux passent avant les hommes. Dans les puits, l'eau est noirâtre, pleine de têtards. Et surtout, le niveau a baissé considérablement. Dans peu de temps, il faudra reprendre la grande nomadisation. Le vent de sable, encore. Hâtivement, les servantes vont décharger les ânes et porter dans chaque tente une gerba pleine. Bientôt, nous devrons quitter le campement, marqué profondément par l'hospitalité fraternelle et la dignité des nomades. Tout au long du séjour, ils nous ont témoigné une courtoisie, une générosité exceptionnelle. Ainsi le veut la coutume. Et dans leur regard rude, nous avons compris que, caché au milieu des sables, l'homme existait encore.